Allô, cancer, je sens que ça va bien. On va aller voir qu'est-ce qui se passe pour vous pour en sentimental. Si ça ne résonne pas, signe ascendant, signe lunaire, Vénus dans votre carte du ciel, faites juste regarder mes titres. Vous pouvez aussi le faire, c'est pas partie du collectif, ça c'est bien normal. Face à soi. Vous avez une phase, même si vous étiez en couple, vous étiez seul. C'était comme si tout ce que vous essayez de faire, ça ne marchait pas. Toutes les tentatives ne marchaient pas. C'est comme si vous avez été vraiment remis à vous-même. C'est comme si vous avez fait comme, OK, qu'est-ce que je fais là? J'ai tout essayé. Puis même, tu sais, comme en couple ou pas, fait en couple, essayez que ça marche, puis ça ne marche pas. Puis pas en couple, essayez de trouver quelqu'un, puis ça ne cliquait pas. Tu sais, ghosté après... Ouh, ouais. Oh! Je pense que ça prenait ça. Ça prenait un moment de... Je vais pas dire de torpeur, on se calme. Mais un moment de... Qu'est-ce que je fais? C'est quoi ma responsabilité là-dedans? Qu'est-ce que je fais qui marche pas? Qu'est-ce que je fais qui... que je devrais changer ou que je devrais juste essayer de comprendre pour pas refaire la même gaffe de me plier en quatre pour quelqu'un qui répond pas ou donner des chances à des personnes qui, dès le début, me le montrent qu'il faudrait que je cours après. Puis là, il y a une rencontre qui s'en vient. Elles sont belles, ces cartes-là. Ils ressemblent au Butler, au... comment il s'appelle? Dans une allée. Je ne me rappelle plus de rien. Il y a vraiment une rencontre qui s'en vient, une rencontre qui amène la paix. Qui vous fait sentir en paix. Puis la rencontre, tu sais, jusqu'à quelque part, est-ce que c'est par rapport à vous? La rencontre de vous, la rencontre de qui vous êtes vraiment dans l'essence. Dans l'essence de. Tu sais, dans le plus profond, parce que vous avez fait un certain travail de réflexion, puis je dis certain parce qu'il y a des personnes que oui, qui l'ont fait, puis c'était vraiment ardu, puis il y en a d'autres qui l'ont fait un peu plus superficiellement, puis tant mieux. Juste le fait de se regarder face à soi, c'est déjà un bon début, c'est déjà une initiative qui va payer. Parce que je pense que la rencontre qui s'en vient ou qui a été faite, il fallait faire le face à soi, il fallait faire un ménage, il fallait prendre faire des constatations pour justement, tu sais, parce que je sais, cancer, comment vous êtes, là. Vous êtes plein de sentiments avec une grosse carapace. Puis j'ai l'impression que, oui, la carapace protège, mais des fois, elle vous nuit. Puis j'ai comme un feeling que des fois, quand vous étiez prêt à être vulnérable, prêt et prête à être vulnérable, tout le monde est bienvenu ici, il, elle, eux, mais bon. J'ai l'impression que l'ouverture était face à des personnes qui étaient peut-être pas ouverte, qui était peut-être pas disponible, qui était pas prête à être vulnérable. Puis ici, qu'est-ce que je vois, c'est que, sans dire que c'est un match parfait, c'est un match très doux. Un amour doux, de paix, très, très... En tout cas, on va aller voir avec le tarot, là, mais la vibe que j'ai là, là, c'est comme... C'est une rencontre, là. Une rencontre, quelqu'un de nouveau. Fait que ce soit vous, la nouvelle personne que vous êtes, ou quelqu'un de... 5 d'épée. Il fallait couper. Il y avait quelque chose à couper, puis l'appel vient de la maison un peu, là. Un peu. C'est de dire, comme, pourquoi est-ce que je suis comme ça? Puis qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour plus être comme ça? Oui, une petite page de coupe. La douceur, se montrer de la compassion, se montrer... Comment tu remplis ta coupe? Comment tu as besoin de la remplir, ta coupe? Il faut que tu comprennes c'est quoi. Il faut que tu comprennes qu'est-ce que tu as besoin. L'autre ne peut pas le deviner si toi, tu ne le sais pas. Fait que je pense que ça a été ça aussi, d'arrêter de se matcher ou de prendre des risques avec des personnes qui étaient très automatiques, très... comprenez pas qu'à chaque personne, les personnes changent, les personnes veulent autre chose, les personnes veulent des choses différentes, les personnes sont uniques. Je pense que c'était très automatique. Ça fait tellement sortir de la matrix. C'était quoi
suis en train de parler. Ça fait vraiment prendre conscience que d'être toujours dans l'automatique, d'être toujours dans on se rend compte, tac, 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 ça arrive comme ça, ben ça finit toujours de la même manière. Mais tandis que quand tu te rends compte toi-même, puis tu commences à prendre des prendre des prises de conscience, puis à vraiment être comme attends une minute, je veux autre chose, les actions découlent de ça aussi. Puis je pense qu'à quelque part, avec le petit page de coupe, après avoir coupé qu'est-ce qui marchait pas, là, puis après avoir pris conscience, c'est de l'épée, prise de conscience. Couper, ça peut être aussi avec des « moi, je veux plus ça », communication. Le petit page de coupe est là, puis il est comme « ok, fait que maintenant, qu'est-ce que je veux, puis qu'est-ce que j'ai besoin pour qu'on prenne soin de moi, puis que moi, comment je prends soin de moi? » Parce que si tu t'attends à ce que ce soit toujours les autres qui le fassent, puis tu le fais pas toi-même, comment est-ce que tu penses, est-ce que tu vas être capable de l'accueillir aussi? Parce que tu vas être capable aussi de comprendre comment on sent quand on est bien. Je pense que oui, parce qu'à quelque part, c'est comme si la rencontre de cette personne-là, sentir le travail a été fait, parce que le travail finit jamais. Dès que tu rouvres la porte à travailler sur toi, c'est pour le reste de ta vie. T'es sorti de la Matrix. T'as pris la pilule bleue, je me rappelle plus. Trop longtemps. Qu'est-ce que j'aime ici avec la rencontre puis la paix, là, c'est que vous êtes égal. Page de coupe, page d'épée. Probablement par une, par les internets, pas nécessairement une application de rencontre, là. Ou par quelqu'un que vous connaissez ensemble. C'est quelqu'un de très tenace. Quelqu'un de très tenace. Qu'est-ce que j'aime ici, c'est que le 3 de coupe est à l'envers. Fait que c'est quelqu'un qui focus sur une personne à la fois, à place d'en avoir 8, puis de se tromper de nom, puis de... Mais le petit page d'épée puis le petit page de coupe sont de pied égal. Il n'y en a pas un qui est plus haut que l'autre. Il n'y a pas un qui se prend plus pour l'autre. Tu sais, c'est vraiment égal. Qu'est-ce que j'aime ici, c'est que, évidemment, Cancer part avec son cœur. Et l'autre a une communication quand même affûtée. Est capable de parler, est capable de communiquer. Puis peut-être que Cancer vivait avec des situations qui revenaient toujours dans le troisième parti. Sans dire de se faire tromper, troisième parti, ça peut être une addiction au gaming, aux potes, au vaping. T'sais, on dirait qu'il y avait toujours un troisième élément dans le couple. Puis ici, cette personne-là, c'est pas ça. Je pense que vous le sentez, vous allez le sentir, ça, il y a de la paix. Le soleil, meilleure carte du tarot. Mais pour avoir le soleil, je sais pas c'est quoi. Puis pour avoir le soleil, il faut avoir passé par la nuit. La nuit sombre de l'âme, la lune, hein? Le confronter le face à soi, le confronter ses peurs, confronter qu'est-ce qu'on veut pas voir. L'as de bâton, début très passionné. 7 de pentacle. Puis ça, qu'est-ce que j'aime ici? C'est que oui, il y a un début passionné. Puis oui, la vibe, là, vous allez pas la forcer. Les personnes à qui je m'adresse, vous le savez déjà, quand vous allez rencontrer la personne, c'est une vibe, c'est facile, c'est léger. Il y a de la joie, il y a du rire, il n'y a pas de drame, c'est pas, il n'y a pas de compétition, c'est pas lourd. Quand vous faites des dates, c'est des activités le fun, c'est le fun, vous riez. Puis à quelque part, avec l'as de bâton, je pense que rapidement, vous allez quand même vous rendre compte que c'est un début pour chacun, de part et d'autre, c'est un début. Vous sortez vraiment d'un créneau, puis l'autre aussi, on dirait. Vous sortez d'une manière de penser, une manière de faire. Puis si vous rencontrez sur les internets, c'est comme si à place de chatter pendant un mois, puis d'être déçu, puis de jamais se rencontrer, d'être déçu parce que vous êtes rencontré, on dirait que vous faites quoi? On le fait différemment cette fois-ci, on se rencontre vite. À place de se faire des espoirs, puis se faire des idées, puis des scénarios positif de quand on va se rencontrer puis d'être toujours déçu, on se rencontre tout de suite puis on va le savoir tout de suite. Ça fait ça un peu. Ici, avec le 7 de pentacle, ensemence, qu'est-ce que tu veux récolter? C'est littéralement la meilleure carte pour exprimer qu'est-ce que... Quand je dis ça, là, c'est vraiment tu plantes les graines que tu veux récolter. Tu plantes qu'est-ce que tu veux, tu sèmes qu'est-ce que... Oui, ça prend du temps à pousser. Ça a besoin de soleil puis ça a besoin d'eau. Oui. Mais à place d'aller trop vite dans une relation ou de tout de suite sauter dans le cadre, c'est de faire bien les choses, d'apprendre à se connaître, de pas tout de suite sauter aux conclusions, de pas tout de suite sauter dans l'ancien pattern, l'ancien automatisme. C'est vraiment cute parce que qu'est-ce que j'aime ici, c'est qu'on se dirait que vos deux énergies à vous, c'est nouveau.
sais, ces deux pages, c'est comme si vous apprenez à vous connaître vous-même à travers la relation pendant que vous apprenez à connaître l'autre. Puis c'est comme si ça vous sort de vos peurs. L'autre, ça le sort d'un. Sans dire que l'autre était nécessairement dans un troisième parti souvent, mais ça sort d'un. C'est peut-être que l'autre s'impliquait pas beaucoup parce que souvent il était déçu. Il y a vraiment une. L'ancienne vibe était vraiment de déception, puis ici on s'en va vers autre chose. Fait que c'est vraiment de planter qu'est-ce que tu veux récolter. Fait qu'on va aller espionner. Dans l'extension, on va tout aller espionner ça. Les personnes qui veulent avoir accès, c'est marqué à côté de mon nom, joindre. Sinon, dans le descriptif, il y a deux liens, Patreon et YouTube. Toutes les extensions de tous les signes, de tous les tirages, c'est la même affaire. C'est juste que je me complique la vie parce qu'il y a du monde qui aime mieux être sur Patreon. Mais c'est pas grave. Fait que sinon, on se voit au mois de septembre. J'ai hâte de voir comment ça va se dérouler, ça, parce que c'est cute. C'est très cute. On plante qu'est-ce qu'on veut récolter. Pas d'autre chose. Puis on va se voir, puis ça va être l'automne. Dans 2 semaines, c'est l'automne! C'est l'automne! Bye!